retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale parce que je vais vous parler des chaînes booktube que je suis en ce moment. Alors je vous dis en ce moment parce que je suis vraiment une booktubeuse un peu en carton, c'est-à-dire que je ne regarde pas énormément de vidéos booktube et je ne regarde d'ailleurs pas énormément de vidéos YouTube tout court, ce qui est totalement un comble je trouve. En fait c'est juste que j'ai pas vraiment le temps et dernièrement j'ai quand même trouvé des occasions où je pouvais faire deux choses en même temps et du coup mettre une vidéo YouTube en fond par exemple, et c'est comme ça que j'ai pu voilà regarder un peu plus de vidéos booktube et je me suis dit que ça serait chouette de vous partager les chaînes que j'apprécie en ce moment, que je suis. Il n'y en a pas beaucoup, je me suis dit que j'allais vous parler de 6 chaînes parce que voilà ce sont les 6 où en ce moment quand il y a une nouvelle vidéo qui sort je vais me dire ah tiens je vais la regarder et tout ça. Alors ce sont 6 chaînes de booktubeuses, ce sont toutes des femmes et ce sont des booktubeuses qui lisent à peu près les mêmes genres littéraires que moi, même s'il y en a certaines qui sont peut-être un petit peu plus fantastiques, fantasy, peut-être romance aussi, mais parfois je vais les suivre parce que je sais qu'au milieu du lot il va y avoir certains livres qui vont me plaire. Et puis aussi je pense que vous êtes les premiers à me le dire parfois, on ne suit pas forcément des gens parce qu'on aime tout ce qu'ils lisent mais aussi parce qu'on apprécie leur personnalité, leur manière de s'exprimer et parce que c'est un bon moment de regarder leurs vidéos. Et parfois c'est ça aussi, même si je vais pas forcément lire les livres recommandés ou peut-être qu'il y en aura un seul qui va m'intéresser, bah je passe un bon moment quand même. Je commence avec une booktubeuse que vous connaissez peut-être déjà, il s'agit de Bim Bam Book, c'est Christiane. Et Christiane fait de super vidéos avec une super qualité et surtout elle me fait beaucoup rire, notamment quand elle est en compagnie de ses sœurs. J'avoue tout, ce sont un peu mes vidéos préférées. Non mais vraiment, Christiane fait de super vidéos, elle est très posée, très calme, elle présente les livres de manière très sérieuse et en fait j'aime beaucoup parce que c'est développé, c'est intéressant, on passe un moment agréable, ça me calme. Moi j'aime bien les gens calmes parce que vous savez que je suis tout sauf calme. Elle a vraiment les mêmes goûts que moi, presque entièrement. Elle lit du young adult en particulier, elle commence à lire un peu de littérature générale depuis quelques temps, donc ce sont vraiment mes goûts littéraires. Et évidemment je la suis aussi sur les réseaux sociaux et puis un jour je l'espère vous la verrez sur ma chaîne YouTube parce qu'on a prévu de faire une vidéo ensemble puis le confinement est arrivé. Ensuite je vous parle de Emma de la bouquinade. Emma c'est vraiment une chaîne booktube que j'adore. J'adore parce que déjà récemment elle a fait vraiment des vidéos hyper originales qui sortent de l'ordinaire, des idées super que je lui ai même volées parfois, mais je vous le disais bien évidemment donc je lui volais à moitié on va dire. C'est grâce à elle que j'ai fait notamment ma vidéo Instagram contrôle ma journée parce que je trouvais que c'était une trop chouette idée. Je sais hein, c'est un challenge qui date d'il y a 10 000 ans mais bon sur booktube ça avait pas trop été fait et du coup je trouvais ça cool qu'on le remette au goût du jour grâce à Emma. Il se dégage énormément de douceur de ses vidéos et de sa personne. J'aime beaucoup aussi ses goûts littéraires. Encore une fois on est sur beaucoup de livres young adultes, parfois un petit peu de fantastique, parfois un petit peu voilà, mais ça reste quand même dans mes goûts en tout cas. Elle en parle très bien, elle me donne souvent très envie de les découvrir. Elle me fait rire aussi notamment dans ses vlogs et je passe de très bons moments en regardant ses vidéos. Encore une fois c'est vraiment des vidéos qui vont m'apaiser, elle met toujours des petites musiques hyper sympas et on passe un trop bon moment en la regardant, en l'écoutant aussi, parce que c'est vrai que les vidéos booktube on peut aussi les mettre en fond sans forcément regarder et donc j'apprécie les écouter. Ensuite il y a Louise de la chaîne booktube Rêve ta vie en lecteur. Alors j'adore Louise vraiment pour sa fraîcheur, son côté pétillant et son énergie justement. Elle me fait beaucoup rire, ses vidéos sont hyper rythmées et c'est très très agréable à regarder. Louise fait justement partie de ces lectrices qui ont quand même des goûts qui vont plus être dirigés vers le fantastique fantasy et ce qui ne me ressemble pas forcément, mais il faut savoir que dans le fantastique fantasy il y a bien évidemment quelques livres quand même que j'apprécie qui sont entre les deux on va dire, quand c'est fantastique mais pas trop. Et du coup bah, il va y avoir quelques recommandations qui vont me plaire et aussi des sujets en fait, parce que booktube c'est pas que des avis sur des livres, c'est notamment ça, mais moi la première des fois je vous fais des vidéos sur des sujets intéressants etc, et du coup bah, j'adore regarder Louise pour ce genre de vidéos aussi. En tout cas ce sont des vidéos qui me font vraiment du bien au moral parce qu'elles me donnent trop le sourire quand je la regarde et c'est hyper agréable, c'est vraiment un petit soleil sur booktube. Et j'ai récemment découvert les vidéos de Amélie qui a la chaîne booktube de Poudlard à Anima. Encore une fois comme Louise on est plus sur des livres un peu fantastiques, fantasy mais pas que. Il y a aussi du contemporain, du young adult, des lectures qui me plaisent particulièrement. Et surtout Amélie pour moi c'est vraiment la douceur incarnée. Je trouve que quand on regarde ses vidéos on a juste envie de prendre un petit mug et de se poser et d'écouter sa petite voix toute douce qui va vraiment nous faire passer un moment très agréable. C'est vraiment la douceur qui se dégage le plus de sa personne à mes yeux et je trouve ça vraiment hyper chouette à regarder, à écouter. Et j'avais notamment adoré sa vidéo où elle fait un vlog sur sa relecture
de la trilogie Hunger Games. J'étais trop à fond parce que du coup j'adore Hunger Games. J'espère donc que vous découvrirez sa chaîne et qu'elle vous plaira. En tout cas, ce sont vraiment des goûts littéraires très éclectiques. Vu qu'elle lit un peu comme moi et aussi du fantastique fantasy, il y en a pour tous les goûts. J'espère donc que vous découvrirez sa chaîne et qu'elle vous plaira autant que moi, mais j'ai aucun doute. Puis une chaîne booktube qui vient tout juste d'ouvrir, qui vient tout juste de se créer, et je me suis dit bah je vais la mettre dedans parce qu'en fait depuis que cette chaîne booktube existe, j'ai regardé toutes les vidéos qui sont sorties, donc c'est signe que c'est quand même une chaîne booktube du moment à mes yeux. Il s'agit de Chloé, de la chaîne booktube Les Lectures de Chloé. C'est une chaîne toute neuve qui a actuellement, alors où je vous parle, que 3 vidéos publiées, mais je trouve ça aussi très chouette de vous parler de ces chaînes là qui viennent tout juste d'ouvrir et qui à mes yeux valent vraiment le coup d'être suivies et dont les vidéos valent le coup d'être regardé, parce qu'on commence tous à un moment et que c'est très chouette de recevoir des encouragements, donc j'espère que vous irez regarder les vidéos de Chloé pour l'encourager à continuer parce que Booktube est une aventure géniale. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé Chloé dès sa première vidéo parce que je trouvais qu'elle était pétillante, joyeuse, qu'elle mettait de la joie dans ses vidéos, dans son montage qui me fait beaucoup rire parce qu'elle met plein de petits trucs trop drôles dans ses montages et je trouve ça génial. Là c'est typiquement des montages où du coup je peux pas mettre la vidéo que en fond parce que je sais qu'elle va mettre des trucs drôles dans son montage et du coup il faut que je regarde. Chloé a vraiment exactement les mêmes goûts littéraires que moi, vraiment. Elle lit de tout en fait, mais vraiment en particulier du young adult, de la littérature jeunesse, adolescence, young adult, des romans, parfois un petit peu des romans aussi de littérature générale, mais même en littérature young adult je trouve qu'on a vraiment les mêmes goûts et elle m'a déjà donné envie de lire certains livres avec seulement 3 vidéos, ça c'est du talent moi je vous le dis. En tout cas j'espère que vous irez l'encourager parce que je trouve ça chouette et je pense que tout le monde quand il commence sur YouTube ne peut qu'être heureux d'être encouragé par des lecteurs à continuer cette aventure. Et enfin je vous parle de la superbe chaîne booktube de Madame Errance. Camille est une personne que je trouve juste adorable et je pense que toute sa gentillesse et sa générosité et sa douceur ressortent dans ses vidéos. C'est vraiment quelque chose je trouve qu'on voit dès qu'on la regarde et dès qu'on entend sa petite voix toute chou qui nous parle de livres qui ont l'air géniaux. Camille lit pas mal de livres qui sont dans mes genres de prédilection, donc du young adult assez pur, mais elle lit aussi parfois des romances, du fantastique fantasy, donc voilà, encore une fois vous voyez c'est là où moi je vais piocher un peu les livres qui me plaisent et puis pourquoi pas parfois tenter des genres qui ne me plaisent pas toujours mais dont le livre là bah retient mon attention et je me dis oh pourquoi pas. J'espère en tout cas que vous découvrirez sa chaîne et que tous les livres dont elle parle bah vous vous direz oh pourquoi pas. Même si votre pile à lire ne sera pas forcément de votre avis. En tout cas Camille est une personne géniale et je trouve que ça se voit à travers ses vidéos et j'espère que vous le verrez aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous irez découvrir ses chaînes booktube. Je vous mets bien évidemment tous les liens en barre d'infos et je compte sur vous pour aller jeter un œil, les suivre si leur contenu vous plaît et puis commenter leurs petites vidéos pour les encourager à continuer cette belle aventure qu'est booktube. Je me sens très vieille quand je dis des choses comme ça parce que du coup j'ai l'impression d'être une vieille booktubeuse mais en vrai c'est vrai. En fait ça fait presque 7 ans que ma chaîne booktube existe donc je suis vieille. Mais j'espère qu'elles aussi, elles seront aussi passionnées que moi et elles vivront des choses folles grâce à booktube et j'espère que bah, je continuerai aussi à vivre des choses folles grâce à vous et grâce à booktube. En tout cas c'est une très belle aventure que je passe avec vous et j'espère que ce sera tout autant beau pour elles. Je vous fais plein de bisous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt et si jamais vous avez envie un jour d'une deuxième version de ce style de vidéo, n'hésitez pas, je vous parlerai d'autres chaînes booktube et j'espère que ça vous plaira aussi. Plein de bisous et à très vite !